Si on reprend la genèse des coupes Moto Légende, c'est d'abord l'inscription de 1000 collectionneurs moto qui viennent s'inscrire donc sur différentes séries pour tourner pendant tout un week-end. Et pendant tout un week-end de fête, donc les séries c'est fait par année de construction, cylindrée. Il y a une série reine qui est la série GP, puisque tous les ans nous accueillons de grands champions du monde qui ont fait la légende de la moto. Et cette année, pour la première fois en France, nous aurons Johnny Cecotto, champion du monde 350 cm3 et 750 cm3 avec le roi Ago, Freddy Spencer, Baker et bien évidemment notre champion du monde national, Christian Sarron. Alors on voit des motos de tous âges, de toute époque. De toute époque, depuis le début de la construction moto jusqu'à 1985, puisque 84, pardon. Puisque pour être de collection, une moto doit avoir 30 ans. Alors c'est pas une compétition, hein. c'est une espèce de grand rassemblement de mordus. Voilà, c'est bien pour ça que j'ai dit que les champions du monde étaient là pour animer la piste. Ce sont des démonstrations, donc il n'y a pas d'esprit de compétition, il n'y a pas de chronométrage, ils sont là simplement pour se faire plaisir. Chaque année, vous venez à Dijon-Prenois et il y a une foule considérable. C'est une des manifestations qui attire le plus de monde. Qu'est-ce qui, à votre avis, fait l'engouement du public pour toutes ces vieilles motos ? D'abord, c'est un beau week-end à passer sur le circuit de Dijon-Prenois, puisqu'il y a une ambiance de fête. Nos motards ne sont absolument pas, accidentogènes. Il n'y a pas de problème avec eux. Ils sont très respectueux les uns des autres. Ce qui fait l'engouement, c'est aussi ces champions du monde que l'on va chercher aux quatre coins du monde pour animer. Et puis aussi un retour sur les valeurs du passé. Et puis, rouler sur un circuit mythique comme ça, c'est génial. Ces champions, dont vous avez cité quelques noms tout à l'heure, ils sont eux-mêmes quelquefois un petit peu, étonnés de voir qu'ils ont autant de fans. Ah oui, tout à fait. Christian Sarron, quand Christian Sarron est revenu sur le circuit, avec un peu d'âge en plus, il était tout à fait surpris que son nom puisse encore évoquer quelque chose. Et il a conservé des milliers de fans. C'est sans doute lui qui a le plus de succès dans les séances d'autographes d'ailleurs, où j'invite le public des coupes Moto Légende à se rendre parce que ces champions du monde sont totalement disponibles. Et Freddy Spencer et Wayne Garner, qui sont venus l'année dernière, étaient eux complètement ébahis de voir que ça parlait encore. Là, c'est l'occasion de pouvoir être mélangé avec les fans, avec le public. Et ça, c'est très agréable. Moi, je considère qu'on a, nous pilotes et nous surtout anciens pilotes, un devoir vis-à-vis du public et de nos fans. On n'a pas toujours eu le temps de leur donner suffisamment peut-être d'attention ou de temps. Là, on en a un petit peu plus. Eh bien, c'est l'occasion de justement être parmi eux. Et c'est une ambiance vraiment sympa. Voilà, c'est génial. Il y a aussi une dernière chose, je ne vais pas manquer de le dire. S'il n'y avait pas eu Dijon ou d'autres manifestations comme ça, j'aurais moins souvent revu mes amis, comme ici Freddy Spencer ou Wayne Garner, et bien d'autres. Je n'ai pas oublié tous les pilotes français ou étrangers qui sont ici. Vous n'avez qu'à regarder la liste. J'ai dit qu'on était une grande famille. Nous sommes tous très bons copains entre nous, voire même amis. Donc ça aussi, c'est l'occasion de se réunir et de se rencontrer. En quelques mots, le programme de ces deux journées, ça commence dès le samedi ? Ça commence dès le samedi matin à 8h. Et cette année, nous avons la chance et l'honneur de recevoir le musée d'Hockenheim et le musée de Birmingham. Ce sont des motos qui n'ont jamais quasiment été vues en France, qui prendront la piste. C'est un très beau spectacle. Évidemment, les manches de champions du monde, BMW qui fait un concours d'élégance, le concours de look, enfin il y a un tas d'animations, on ne va pas s'ennuyer du tout pendant ce week-end.